Voilà les palettes. Une et deux. Et voilà, je n'ai plus une place. Je peux plus faire de jeu, c'est fini, j'ai plus la place. Donc bah c'est parti. En plus, il y en a dans le salon. Hop, suivez-moi, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, il y en a d'autres dans le salon. Et puis maintenant, on va remplir tous ces petits colis. C'est parti! On est mercredi matin et mon salon est toujours autant en bazar, si ce n'est du coup encore plus. Alors ce petit îlot central, ce sont tous les colis que je vais envoyer ce matin. Donc les jeux sont arrivés hier vers 15h et j'en ai fait un petit peu toute l'après-midi, toute la soirée. Donc il y a des envolées sauvages que j'ai pu préparer hier soir en regardant la suite de Lost. Et ici, tout un tas de tarots renards, voilà, donc principalement pour l'instant pour la France. Et là, je vais commencer justement un petit peu plus les étrangers. Mais j'avais une... En fait, à la poste, on a un système avec une date. Et moi, j'avais daté les envois pour mardi. Donc, je me suis un petit peu dépêchée de faire cela parce que je pensais avoir les jeux, les recevoir vendredi ou au pire lundi. Et finalement, ils m'ont été livrés que mardi. Donc je me suis dépêchée en fait de faire les envois pour mardi. Et tant pis, je les poste mercredi matin, j'ai appelé la postière, ça posait pas trop de soucis. Donc voilà, je me suis dépêchée de faire cela. J'ai fait quelques envolées sauvages. Et puis ensuite, je m'attelle aussi à faire un petit peu des deux, en même temps pour les étrangers et en même temps pour la France. Voilà. Non mais c'est cool, ça a très très bien avancé, là presque tous les Kickstarter de France vont partir ce matin, donc c'est chouette. Coucou tout le monde, on est jeudi, aujourd'hui, comme hier, je vais aller à la poste et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, donc on en est là, tout ça ce sont les colis pour aller poster aujourd'hui. Hier, donc mercredi, j'ai emmené la plupart des colis français. Il m'en reste plus beaucoup pour le Kickstarter français. Et j'ai même commencé aussi les précommandes qui étaient faites sur le site. Donc ça, c'est plutôt les colis hors de France. Vous voyez, de l'autre côté, on a retiré cette grosse pile qui était là. Donc il reste plus que ça et cela. Là-bas, on a quelques précommandes encore qui restent, mais j'en ai fait une partie aussi. Donc voilà, j'ai mélangé pour que la postière ne s'arrache pas les cheveux. J'ai mélangé français et étranger parce qu'en fait, pour l'étranger, elle doit étiqueter chaque colis et sortir une vignette pour chaque colis. Le peser, le rentrer dans l'ordinateur, etc. Donc je vais y aller petit à petit, tous les jours, pour pas non plus lui donner une surcharge de travail énorme. Voilà. Des petits crayonnés. En ce moment, je travaille sur les quatre, la série des quatre.
pour le bout tarot. Voilà, donc je m'amuse beaucoup avec ce 4. Je ne sais plus très bien où j'en suis dans mes vlogs, dans ce que je filme. Les jours se sont un petit peu enchaînés à faire des colis, à envoyer à la poste. Donc bah, je ne vous ai pas vraiment filmé. Je l'ai filmé une fois et puis après bon, bah, ça aurait été très répétitif. Donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour le faire. Donc je ne sais plus vraiment où je m'en suis arrêtée. Donc je suis désolée. On reprend avec des petits crayonnés. Voilà, les colis se sont un petit peu tassés. J'ai envoyé toutes les précommandes, tous les Kickstarter. Bon, bien sûr, sur 1000 envois, il y a forcément des fois des petits couacs, des petites choses à rectifier. Donc, je m'occupe un petit peu de ça en ce moment. Et puis, quand j'ai un petit peu plus le temps, je me remets doucement avec le bout tarot. Et j'avais surtout envie, en fait, de vous parler de cette illustration-là, en fait, qui est celle du 4, du 4 de denier. Alors, je vais vous trouver une illustration un petit peu plus standard pour vous montrer. Hop, voilà, par exemple, on a ici le 4 de denier. Et on a, voilà, dans le Rider-Waite traditionnel, en fait, un personnage qui campe comme ça, qui garde ses deniers. Ce que je veux avec le bout tarot, en fait, c'est pas forcément reprendre exactement les mêmes illustrations. C'est pas quelque chose qui m'intéresse de faire à l'heure actuelle. Ça pourrait m'intéresser pour travailler sur une atmosphère, sur des couleurs. Ça, c'est quelque chose qui pourrait me parler. Peut-être d'ailleurs plus avec un tarot de Marseille qu'avec un rider. Et en fait, là, ce que j'avais envie de faire avec le bout tarot aussi, c'était de mettre quelque chose d'un petit peu rigolo, de mettre aussi un petit peu plus de légèreté. J'ai adoré faire ça avec le tarot renard, donc c'est quelque chose qui me parle pas mal. Et j'ai trouvé en fait cette idée du petit fantôme en fait qui avale les deniers pour vraiment les garder. Là, on ne va pas pouvoir les retirer. Donc j'ai fait cette petite illustration. Oui, je suis un petit peu fière de moi pour cette idée-là. Comment conserver, comment le petit fantôme pourrait conserver ses deniers? Alors ça pourrait être un coffre, comme on l'a vu avec le tarot renard. Qu'est-ce que je vous avais fait pour le Lily White et le Lily Black? En fait, j'avais fait des deniers avec un serpent autour parce qu'on avait cette idée aussi d'énergie bloquée. Avec le 4, on a une énergie qui est bloquée ici. Et c'est à nous, en fait. Alors, pardon, je vous mets d'un petit peu plus près. Voilà, c'est à nous, en fait, aussi de débloquer l'énergie parce qu'à trop vouloir garder, à trop vouloir conserver, finalement, on se retrouve à être bloqué. Voilà, donc je vous montre d'un petit peu plus près sur le livre parce que là, c'est le livre, hein, du tarot renard, du Lily White et du Lily Black tarot. Où on a ce serpent qui s'enroule autour de ses deniers pour les conserver, pour les garder. Et on a bien du coup cette idée de possessivité, de contrôle et de choses qui stagnent. Pour reprendre cette idée avec le tarot renard, je l'ai fait avec un coffre et un petit renard qui a une clé autour du cou. Et là, avec le bout tarot, eh bien, je me suis dit, bah, comment le petit fantôme pourrait le conserver? Eh bien, en avalant les petits deniers. Et comme c'est un fantôme, il a ce côté translucide que je vais essayer de rendre au mieux avec l'aquarelle. Donc comme ça, on verra un petit peu les trois deniers qui sont là et puis on voit bien qu'il est en train de manger le quatrième. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'étais contente de moi. Ça m'a fait plaisir de trouver cette idée. Les autres sont un petit peu plus traditionnels, avec ici les petits fantômes qui dansent et dans le bout tarot, les bâtons sont représentés en fait par des os. Ici le petit fantôme qui se repose sur sa petite tombe et les quatre épées derrière et je n'ai pas encore fait celui de coupe. Donc voilà, vous avez un aperçu en tout cas des petits crayonnés sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. Voilà. Nous sommes vendredi et hier j'ai eu le temps de faire la dernière carte du 4. Donc c'était le 4 de coupe. Donc traditionnellement, hop, je vous montre, c'est cette carte-là. Et du coup, je l'ai un petit peu orientée différemment. Enfin, je l'ai orientée un petit peu de la même façon plutôt.
C'est juste que j'ai repris les coupes de façon différente ici avec des potions. Voilà. Donc trois potions qui sont devant le petit fantôme. Donc lequel va-t-il choisir? Il y a une période d'hésitation ici avec le 4 de coupe. Et on vous montre aussi qu'on ne voit pas toutes nos opportunités qui se présentent à vous parce qu'on est très focalisé sur ce qu'on a en face de soi et du coup on en oublie un petit peu de regarder autour, voir s'il n'y aurait pas une autre possibilité. Et vous voyez ici on a la dernière potion, hein, la quatrième potion qui est en haut et qui est dos en fait au petit fantôme, donc il ne la voit pas. Voilà, donc aujourd'hui on est l'après-midi, hein, déjà généralement l'après-midi j'aime bien le consacrer à la peinture. Ce sont des moments un petit peu plus grands, j'ai du temps un petit peu plus longtemps en fait, des plages horaires un petit peu plus grandes, un petit peu plus longues. Donc je vais m'attaquer à celui-ci, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va donner, puis je vais vous emmener avec moi justement dans cette découverte. Et je vais faire ça en regardant un film. Le cœur a ses raisons, le journal d'une institutrice. Alors je l'ai déjà vu, je m'en souviens plus du tout. Donc ça va être l'occasion de le revoir. En fait, en ce moment, je cherche vraiment des. Je vais vous montrer quelques images d'ailleurs, peut-être. Donc il y a une série qui existe, mais qui est. Voilà, là c'est le film. J'ai moins aimé la série, en fait. Je l'ai beaucoup aimé au début. Et puis, je ne l'ai pas vu jusqu'au bout parce qu'en fait, j'ai eu la curiosité d'aller voir comment ça se terminait. Et comme ça ne se terminait pas de la façon dont j'aurais aimé que ça se termine, finalement, je me suis dit non, non, je ne vais pas la regarder, je vais être trop déçue. Donc, je me suis arrêtée, je ne sais plus à quelle saison qui est proposée sur Netflix en fait. Et je me suis dit tant pis, je ne verrai pas le reste. Alors, je trouve ça magnifique, ces beaux costumes d'époque comme ça, je trouve ça somptueux. Ça devait être assez lourd à porter quand même, hein, ce genre de chapeau, et puis ça devait demander un sacré paquet de temps pour s'habiller, pour se coiffer le matin. Mais ça reste magnifique. En tout cas, là, l'image est vraiment très très belle. Donc voilà, je vais regarder ça pendant que je vous filme en même temps la mise en couleur avec mes petites aquarelles de cette carte, du 4 de denier. C'est vrai qu'en ce moment j'ai besoin de regarder des petits films tout doux qui se terminent bien. Et voilà, hier j'ai vu Adaline, parce qu'il y a un acteur que j'aime beaucoup dedans, qui joue dedans. L'acteur d'ailleurs qui a joué dans 2-22, j'ai bien aimé aussi. Et qui a joué également dans le cercle. De Guernesey, le cercle des éplucheurs de pommes de terre de Guernesey ou quelque chose comme ça. Le cercle littéraire de Guernesey. Alors si vous ne le connaissez pas ce film, c'est celui-ci. Et alors je vous invite vraiment, vraiment, vivement à le regarder. Il est très beau, il est très 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 sympa, vraiment. Je crois que je l'ai d'ailleurs offert à ma meilleure amie pour Noël et je l'ai offert un petit peu à tout un tas de personnes. Voilà, allez, c'est parti pour la mise en couleur et puis la découverte de ce petit fantôme en couleur. Voilà, donc la première chose qu'on va faire, c'est estomper le crayon, tout le crayonné, puisque l'aquarelle est une technique qui est transparente. On voit bien sûr la transparence du dessin juste en dessous, donc il faut avoir des traits assez fins, assez légers, pour que ce ne soit pas dérangeant après dans la mise en couleur. J'utilise après, en fait, je fais un petit peu tous les éléments qui ont la même base de couleur, comme par exemple ici le jaune, donc tous les éléments jaunes du dessin. Je vais faire une première couche et ensuite je vais venir foncer avec une superposition ici un petit peu de marron, comme vous pouvez le voir. J'aime bien aussi mélanger les couleurs, donc j'attends toujours de voir. Des fois, je rajoute aussi des petites touches d'une couleur différente, comme ça pourrait être le cas avec un petit peu de rouge ou de rose ou de fuchsia, pour donner une sorte de volume, mais aussi donner ne pas rester forcément toujours dans la même teinte. Donc si on a du jaune, ne pas rester que dans le jaune. Si là on fait de l'herbe verte, ne pas rester toujours que dans le vert, mais y intégrer des fois un petit peu de bleu, un petit peu de jaune aussi, pour avoir de jolis contrastes. Donc voilà, c'est un petit peu la première chose que je vais faire, cette fameuse première couche.
Une fois qu'elle est sèche, je vais pouvoir venir comme ça foncer les endroits, donner du coup du relief. Donc là, à la ville qui est derrière, la ville, le château, la ville fortifiée. Je ne m'étais pas encore décidée pour la couleur comment ça s'appelle, pardon, du ciel. Je ne savais pas encore quelle couleur j'allais faire, est-ce que j'allais faire dans le ciel, et vous allez voir après. Du coup, j'ai fait plusieurs essais avant de trouver ce qui me plaisait vraiment. Donc, il y a le petit muret rouge derrière, donc pareil, j'ai passé la première couche. Et puis, pour les petits éléments comme ça, par exemple ici, les pavés, je travaille directement, en fait, couleur par couleur, et je fonce un petit peu aussi directement pour... parce que là, ce sont des plus petites surfaces, donc c'est moins dérangeant, donc on peut faire directement le fait de foncer aussi directement. Et pareil, j'avais envie qu'il y ait plusieurs couleurs, donc je me suis amusée à faire plusieurs teintes pour rendre un petit côté aussi plus joyeux. Je voulais pas un chemin tout pavé de gris, je trouvais ça un petit peu dommage. Alors vous verrez que j'ai gardé le fantôme pour la fin. Je ne savais pas encore si j'allais faire un petit peu dans le fantôme la transparence du muret rouge derrière, de l'herbe verte. Vous voyez d'ailleurs, j'ai bavé un petit peu et je l'avais fait exprès, le vert sur la fin de la robe en fait du fantôme. Et finalement, je me suis dit que ça allait faire trop d'éléments d'intégrer aussi le mur rouge un petit peu en transparence derrière, comme déjà je vais beaucoup travailler sur la transparence des deniers à l'intérieur du fantôme. Là, ça aurait fait un petit peu trop. Donc là, je fais les pavés, je rajoute du noir pour bien les délimiter. Ça permet de bien structurer. Et on part sur le fantôme. Je savais pas exactement ce que ça allait donner, hein. J'étais mitigée, c'était un petit peu, c'est pas la première fois que je fais des choses en transparence, j'aime bien ça, je trouve ça très intéressant. Mais d'aussi gros éléments comme ça, et puis ce sont les éléments centraux en fait, donc il fallait pas non plus que je me trompe trop. Il fallait qu'on voit qu'il y ait vraiment une différence entre le denier qu'il tient dans la main, qui a vraiment cette couleur jaune-orange, et les deniers qui sont déjà ingérés et du coup qui ont un petit peu la teinte de la robe du fantôme, donc un bleu. Donc il fallait que j'arrive à passer cet effet de bleu. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est de donner une sorte de transparence à l'ensemble du fantôme. Et là, vous voyez en fait sur les contours du fantôme, j'ai laissé une toute petite partie en blanche autour que je vais accentuer par la suite avec de la peinture acrylique blanche, pour vraiment en fait avoir cet effet de transparence un petit peu partout sur le fantôme, et qu'on se demande pas en fait d'où vient cette transparence, alors qu'en plus je l'ai pas fait forcément pour les autres fantômes. Donc c'est intéressant de vraiment faire ce fantôme là, de le travailler sur plusieurs niveaux. Donc après voilà, je m'attaque un petit peu à la texture de l'herbe. Donc c'est toujours un petit peu délicat en fait sur des petites aquarelles comme ça de trouver le juste milieu entre en mettre beaucoup et après en mettre trop. Ça c'est un petit peu embêtant, moi des fois j'ai un petit peu du mal avec ça, je me rends compte après, et c'est ce que j'ai fait pour le ciel plus tard, que ça fait trop et du coup j'atténue ou j'estompe pour garder bien visible en fait les éléments importants. J'ai fait l'ombre donc là du fantôme sur le sol et voilà, je m'attaque au ciel. Alors j'avais commencé par faire des petites billes de couleurs pour un côté un peu joyeux, un peu festif, et puis je trouvais que ça concordait pas très très bien, ça faisait un petit peu trop. Donc je me suis, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule et je suis partie sur un ciel vraiment très très doux. Je suis même pas sûre
On verra beaucoup le ciel sur la carte finale. Mais voilà, j'ai estompé un petit peu, j'ai mis du rose, j'ai mis du bleu, j'ai fait quelque chose de vraiment très 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 doux pour rester focus vraiment sur l'élément central, les quatre deniers et le fantôme. Donc là, j'ai repris mon blanc pour justement continuer à faire cet effet de matière, de volume. Et là, c'est intéressant aussi, quand on utilise et quand on travaille sur la transparence, d'utiliser du blanc acrylique parce qu'on va pouvoir le diluer, ça va se diluer un petit peu dans l'aquarelle en rajoutant un petit peu de l'eau et ça va pouvoir mettre une belle profondeur. Vous voyez qu'ici, je retravaille les contours en fait du fantôme et je rajoute un petit peu cet effet de drapé. Le blanc que vous voyez sur les deniers fait vraiment l'effet drapé en fait de la robe du fantôme. La tenue du fantôme, c'est même pas la robe, c'est le petit fantôme, quoi. Voilà, donc là, ça permet aussi, pareil, de mettre en lumière tout ce qui est à mettre en lumière comme petits éléments. Et pour terminer, je viens ancrer, c'est-à-dire que je passe avec un contour noir pour bien rajouter cet effet contraste. Alors ça, c'est quelque chose, c'est personnel ou pas, on peut le mettre. Chacun fait comme il veut, l'aquarelle ne nécessite pas forcément de contour. Moi, j'aime bien les contours, j'aime bien les choses qui sont bien, bien structurées, hein, vous le savez. Donc du coup, voilà, j'aime bien utiliser le crayon noir pour bien accentuer les éléments. Je fais toutes les petites fenêtres, par exemple ici, du château, avec. Chose que j'aurais pu éventuellement faire à l'aquarelle, mais là, ça fait bien propre, bien net, donc j'aime bien ça. Et puis, les dernières petites retouches, et puis voilà, on a notre petit fantôme transparent et nos deniers.